Bienvenue à tous! On se retrouve pour un nouveau choc de Ligue 1, un match capital dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions, puisque l'Olympique Lyonnais affrontait Lille. Du beau monde sur le terrain, surtout en attaque, Depay, Fekir d'un côté, en face Pepe et Bamba notamment. Un match qui a des allures de Ligue des Champions et Lyon qui devait impérativement s'imposer pour reprendre la troisième place à son voisin stéphanois. Grosse ambiance dans les tribunes et du beau jeu sur le terrain et c'est l'Olympique Lyonnais qui allait frapper le premier à la 11e minute. Martin Terrier ouvre le score. En contre, Depay joue parfaitement le coup et trouve Terrier côté gauche qui avec un peu de réussite bat Maignan. Départ idéal pour l'OL, les Lillois allaient aussi avoir des occasions au cours d'une première mi-temps très agréable et très équilibrée, mais à la mi-temps, c'est bien l'Olympique Lyonnais qui vire en tête 1-0. Un choc intense et ouvert qui tient toutes ses promesses, des actions de part et d'autre, du beau jeu, bref, un bon match de Ligue 1. Et au retour des vestiaires, le LOSC allait continuer sa belle performance alors que la défense de l'OL allait complètement s'effondrer. Sur un centre d'Ikoné, Denayer se trouve complètement, le ballon revient sur Loïc Rémy qui bat de près Anthony Lopez. Un but qui résume à lui tout seul la saison de l'OL. Il y a un très gros problème en défense. Un partout, le match est relancé, le LOSC allait continuer d'attaquer, la défense de l'OL allait continuer à se montrer fébrile. Et le coupable cette fois, c'est Léo Dubois qui négocie bien mal un coup franc tiré par Nicolas Pépé. Le ballon revient sur Soumaré qui a inscrit le deuxième but lillois. Catastrophique ce truc, mon dieu. Et avec ces deux cadeaux de la défense lyonnaise, ça fait 2-1 pour Lille, Lyon en grand danger. Mais heureusement, les Gones allaient réagir et Léo Dubois rattraper son erreur. C'est d'abord Memphis Depay qui trouve Nabil Fekir, le ballon est mal renvoyé par la défense lilloise et revient sur Léo Dubois qui marque d'une jolie volée du pied gauche. La fin de match allait être à l'avantage de l'OL mais la meilleure défense de Ligue 1 allait se montrer intraitable et finalement de partout c'est le score final. Un match équilibré et un résultat finalement assez logique qui fait surtout les affaires des Lillois. Lyon pourra de son côté nourrir des regrets et notamment sa défense assez catastrophique. L'Olympique Lyonnais qui n'a donc plus qu'un point d'avance sur son rival stéphanois et le match de la semaine prochaine face à Marseille s'annonce extrêmement chaud. N'hésitez pas à me dire si vous voyez encore l'OL finir à la 3ème place. Lyon en grand danger et qui risque de rater la prochaine Ligue des Champions. Nice off, looking good, looking... Step, who you fading? Oh, 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 wow, 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 wow! Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien pensez à le dire en mettant par exemple un petit pouce bleu, un commentaire ou même en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. On se laisse là-dessus, on se dit à très bientôt, ciao!